Monsieur, c'est là. Regarde. Ah oui, regarde. Si toi tu aimes bien les trucs du Congo, hein, tu vas voir ici, Braza Paris Info Momi Beso. Tiens, c'est un Congolais, hein. Tu vois, c'est un journaliste, chose. Rigolo, tu vois. Mais il y a dans la France, maintenant il ne va plus au Congo. Hein. Oh, bah, c'est mieux, tu vois. C'est pour ça que l'autre, comment il s'appelle, pas Cédric Armand, quand on l'a foutu, on l'a dit Delta, parce qu'Armand il a connu ça, il a dit que. Avec les choses, là, ils ont dit, ah, toi tu viens. Et maintenant, Edgar, il a vu ça, il dit, oh, mais toi tu viens critiquer. Et que Armand, il était un peu plus révolutionnaire, quoi. Et après, il dit, tu vas être le chauffeur. Mais non, on l'a enlevé même chauffeur. Et voilà. Et là, c'est la belle. Comment tu t'appelles encore? Voilà. Non, voilà. Là, c'est la belle Agnès. Bon, Agnès, j'ai toujours la. Des très bons souvenirs quand tu te rappelles quand il y avait la fête qu'on avait fait chez maman. Mais bon, j'ai la vidéo, et moi j'ai mis ça sur mon compte YouTube, c'est toujours la mémoire, tu vois. Je regarde ça et après je me dis, oh, mais ça c'était quand on était avant, ouais. Bon, c'est garder des bons souvenirs, quoi. Et là, je viens filmer les enfants, hein, voilà, ici, voilà, bonjour. Ici, on va faire des photos, là, tac, tac. Tac, voilà. Mais bon, ici, maintenant, vous avez... Regarde le parcours que vous avez. C'est immense, ici. Hein? Ah, mais tiens, bah, oh, mets ta tête ici, regarde. Regarde la petite tête, là. Hein? Regarde cette petite tête, là. Tac. On va aller. Ah, mais tiens, hey, Sophie, attends, Sophie. Attends. Mais on fait les choses en grand, non? De quoi? Ah, attends. Ah, c'est quoi cette inconnue? Mais ouvre le garage. Oh. C'est une autre inconnue, j'ai pas vu pour le garage. Ouvre le garage. Bon, ici, là, vous avez le garage. Mais oh, Sophie, tu sais que. Ici, regarde. Demain, je viens avec mon CDI. Tu vas à la lumière, on va trouver une maison. Mieux qu'à Bruxelles. Regarde. Franchement, ici, c'est un paradis. Vous avez la voiture, tout c'est mieux. C'est bon. Et là, Sophie, photo, tac. Regarde. Franchement, regarde. Quand ici, 600 euros. Tiens, jamais tu vas trouver ça maintenant. Viens, je trouve ça. Franchement, il y a la voiture qui est plus. Là, on a encore les enfants. Ah, ça, c'était mon appareil que je voulais. Et voilà. Et là, ici. Vous avez encore la beauté. Ok. Attends. On va faire une photo. On peut faire une photo ensemble. Attends. On va en faire comme ça. Viens, fais une photo. Et là, vous avez. Mais non, on voit. C'est pas là. C'est ça. C'est ça. Ici. Voilà, vous avez la belle. Hop là. Voilà, on a une très belle photo. Ah non, c'est parce que la batterie est faible et maintenant elle est finie. Mais elle est belle, elle est finie. Mais je vais la charger. J'ai pris mon matériel pour faire de quoi. On boit une petite bière. Ouais, je bois une bière. Et là, ah ben tiens. Mehdi, il est où? Papa. Mais Mehdi, il est où? Attends, je fais pas. Oh, monsieur Alain, mais tu as vu? Regarde, quand on s'est dit, nous on est venu avec
On est venu avec. On a loué une voiture, une 4x4. 4x4, on a loué ça avec Mehdi. Un connard. Parce qu'on on a dit, mais non, Alain, on peut plus aller le prendre, il est occupé, il est avec Mich. Mais maintenant, c'est un homme amoureux. Connard, va. On est venu avec la moto de Mehdi. L'italienne. Oh. Mehdi, non, il est extraordinaire. Alain, regarde le contrat qu'on lui a donné. Hey, je suis parti à Bruxelles pour peut-être gueuler. On lui a donné un CDI, Alain. CDI, Bruxelles Propreté. T'imagines? On lui a donné un CDI. Ça veut dire que comment on va faire? Moi, je vais faire comme peut-être il va s'inscrire chez moi à mon adresse. Ah, oh, mais Yvon, il a la jambe en bois, quoi. Hein? Non. La jambe en bois. Ils ne l'ont pas vu, mais attends, je vais te passer. Non, Alain, regarde, ce que je voulais faire, tu vois, avec Mehdi, quand on a fait après 2 ans, nous, si on va aller chercher un truc à la Louvière. C'est moins cher. On va aller chercher un truc à la Louvière. Non, la Louvière, moins cher, quoi. On pourra trouver un truc à 500 euros. Hein. Mehdi, on a fait combien d'heures pour arriver ici? Une heure et demie, quoi. Attends. Non, c'est un conducteur. Attends. Allô, attends, regarde. Oui, allô, oui. Est-ce que le président du Congo est là? Ah. Oui. Alino Gastare. Le président du Congo. Le président du Congo. Mais non, maman. Mais non. Mais non, aujourd'hui, regarde. Mais non, annule. C'est un style, Agnès, regarde. C'est pas sale, c'est sale, c'est sale. Aujourd'hui, tu vois, les musulmans, ils ont des barbes comme ça. Des barbes. Moi, j'ai essayé un peu de donner le style. Maintenant, parfois, tu vois, ça peut arriver que les gens me disent, ah oui, ils me confondent à un imam. Hein? Ils me disent, ah, oh, vous êtes un imam. Je dis, oui, je suis un imam. Ils disent, ah, mais ils me disent, mais vous êtes un drôle d'imam, vous avez un aigle. Je dis, oui, justement, parce que Dieu m'a donné un aigle pour que je puisse voler dans le ciel. Ben, je rigole, quoi. Chacun son style. Ouais. Chacun son style et le style est bien. Attends, est-ce que je vais mettre ça sur ma tête? Bah, attends, ouais. Oh, bon. Ah oui. Demain, on aura l'occasion de faire. Attends, j'arrive. Hein. Et là, on est là. Agnès, quand tu vis juste à côté, quoi. Quand tu as juste la maison à côté. Tu vois, regarde, Agnès à côté. Après, toute la famille s'est mise à côté, quoi. Tu vois, on a pris tout le village, quoi. Tout le village. Et on achète des chevaux, voilà. Et là, vous avez toute la beauté. Là, vous avez la petite princesse, comment elle s'appelle? Julia, elle est belle, elle est mignon, la vie africaine. Et là, vous avez la petite princesse, toute brune aussi, quoi. Ils sont toutes belles. Mais oui, mais elle dort, hein. Elle dort. J'ai juste mis les clés. Mais oui. Les beaux enfants, mais ce n'est pas une fin, quoi. Parce qu'il faut attendre maintenant qu'il termine. L'éducation, c'est tout. Non, parce qu'après, regarde, c'est tout un travail, hein. Et après, on est arrive. Après, c'est l'école. Après, c'est ça. Et après, c'est le travail. Moi, j'ai fini mon travail. Moi, regarde, il était là. Maintenant, il est contraint de terminer. Donc, j'ai fini mon travail. Et je suis content. Maintenant, c'est lui qui commence à me gérer. Viens, on va là-bas. Je dis, putain. Ouais, les enfants, après, tu as le mérite. Quand tu as fait du bon boulot, quoi. Mais si tu fais du mauvais boulot, les enfants seront toujours pas méritants envers leur père, quoi, ou leur mère, quoi. Mais si tu fais du bon boulot, les enfants seront toujours méritants envers leurs parents et ils seront toujours là derrière vous. Oui. Oh, regarde la petite tête. Hein? Bon, quel âge as-tu maintenant? 20 ans, tu m'as dit.
Oui, j'ai 20 ans. 20 ans, mais tu es vieux, hein. Tu as un vieillard, quoi. Pas pour une bière. Mais vas-y, va prendre une bière. Et là, vous avez la boule. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, tu vas faire la table. Là, vous avez la beauté en famille. Bon, je vais un peu couper parce qu'après, on va manger. Donc, il reste encore. Voilà. Et regardez la petite princesse ici. Quel âge as-tu? Combien? 20 ans. 3 ans. Mais tu es toute belle, quoi. 5 ans. Et tu es en quelle classe? Première universitaire? Non, mais oui, j'aime beaucoup. Hein, et tu as. Oh, quel beau dessin! Moi, Agnès, toi qui fais ça? S'il va chez moi et qu'il est bien endormi, tout ça va partout. C'est toi qui fais le beau dessin? Je le rase. Ouh! Beau, si tu as bien colorié ça. Attends, Vincent. Même si tu as un c'est des rastas, maman. Bob Marley. Attends.